Bonjour, je m'appelle Nausicaa, je viens de suivre la formation d'électroculture de Loïc sur 2 jours et je voudrais te témoigner au sujet de cette formation que j'ai trouvée extrêmement complète. Étant médecin et de formation scientifique, j'étais intriguée par ces techniques, connaissant déjà la permaculture et j'étais impressionnée de l'approche scientifique et sérieuse avec chaque outil ou technique développé, donc pour chacune des techniques développées, il présente les sources, une bibliographie précise et documentée que l'on peut aller vérifier derrière, tant française qu'internationale. Et avec à la fois une approche sur tout ce qui est électrique, tout ce qui est magnétisme, une approche de géobiologie également sur les rayonnements telluriques et aussi des choses ancrées dans des traditions, que ce soit avec les orientations nord, sud, est, ouest et tout ce que ça symbolise dans différentes cultures ancestrales de peuples premiers. Et globalement, toute cette formation est empreinte d'une générosité en termes de transmission impressionnante, que ce soit sur la partie théorique ou plein de petits ateliers pratiques, pragmatiques, les mains dans la terre, pour voir au concret comment on va pouvoir l'appliquer chez soi, au retour. Ce n'est pas une formation inaccessible et pas non plus banalisée. Donc, voilà, merci beaucoup pour cette formation complète, à la fois théorique, pratique, ancrée dans la matière, moderne avec plein de techniques actuelles, et à la fois ouverte sur l'énergétique et sur plein d'autres aspects. Voilà, moi je suis impressionnée, j'ai l'impression de rencontrer mon homologue, mais pour les plantes, quelqu'un qui sait prendre soin d'une façon holistique du monde végétal en agriculture. Merci beaucoup. Bonjour, alors je viens de terminer le stage avec Loïc, donc c'est 2 jours passionnants. Où il a donné vraiment beaucoup beaucoup d'énergie. Il a beaucoup de culture, il nous a donné ça avec une très grande générosité et passion. Et voilà, donc son humour, sa bienveillance ont été le maître mot pendant tout le week-end. Ce que j'ai adoré aussi, c'est les ateliers où on a pu vraiment construire des antennes, on a pu expérimenter sur notre corps. Voilà, j'ai trouvé ça génial et là je me languis de rentrer et d'expérimenter. Je voulais rajouter quelque chose sur l'aspect que je trouve que Loïc a l'humilité de savoir dire quand il ne sait pas, de connaître ses limites dans ce sujet où il est pourtant spécialisé et où il sait dire quand il n'a pas encore expérimenté et qu'il nous encourage à tester nous-mêmes. Il y a beaucoup de mouvements atypiques et qui peuvent être qualifiés de sectaires où les gens font la promotion d'une chose qui marche pour tout et ce n'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié pendant cette formation. Merci.